Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à Strasbourg pour l'ouverture du plus grand zénith de France. Alors à cette occasion, W9 organise un concert magique avec une palette d'artistes absolument incroyable. Vous voyez derrière moi, il y a les premiers fans qui entrent dans ce grand zénith. Alors le W9 VIP Live, c'est maintenant. Il est joli ce zénith, je sais pas ce que t'en penses. Il est super, et je suis très contente de faire une inauguration avec d'autres artistes ce soir. Mais oui, avec des copains. Ce soir, tu chantes notamment Tourner ma page. Alors, est-ce qu'avec ce nouvel album Lunatique, t'as l'impression de tourner une page? Musicalement parlant, oui. Ouais. Sans renier évidemment mes deux précédents albums. Ils me correspondent à l'âge que j'avais. Juste là, j'avais envie d'un son différent. J'ai d'abord rencontré un auteur qui s'appelle David Verlan qui a voulu parler de sentiments. C'est basé sur de l'amour et j'avais vraiment envie de repartir avec une structure différente sur scène. J'avais envie de cuivre, j'avais envie d'un son un petit peu plus chaud, j'avais envie d'une touche un petit peu plus soul et donc changement. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. On n'a pas trop de temps à faire l'amour à l'envers. Il y a tant de vent contraire. On n'a pas trop de ciel pour s'étendre sur le sujet, à rêver l'essentiel enlacé. Quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, 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 pourquoi. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran. Tu prends pas vraiment la tête sur ton image, tu focalises non, sur... Mais maintenant je reste une pépette et une fille et j'aime la fringue, j'aime bien me changer. C'est un chapeau de pépette. Ça c'est le chapeau, c'est pas moi en plus. C'est, ah bon, c'est un ami. Dans ta chanson Comme un hic, tu dis que tout ce bonheur, ça doit cacher quelque chose, que t'as peur que quelque chose te tombe sur le coin, ce sont des mots. Tu te dis, voilà, c'est trop beau, c'est pas possible. Quand vous avez plein de belles choses qui se passent dans votre vie, au fond de vous, vous pouvez pas vous empêcher de vous poser la question quand est-ce que ça va vous tomber sur la gueule, et moi je me la pose. Et d'un côté, je préfère me poser la question, comme ça je me reposerai plus vite fait sur mes pattes. Exceptionnel, est-ce qu'il y en a certains que tu es content de revoir ou de rencontrer, peut-être que tu ne connais pas? Il y a Jennifer qui est une fille que je connais depuis super longtemps. C'est une copine On se voit beaucoup et là je suis contente de partager avec elle cette soirée. Après il y a plein d'artistes comme j'ai fait Les Enfoirés, donc du coup on est tous tout le temps dans, voilà,
dans la même compagnie. La soirée, tonnerre d'applaudissements pour les artistes ce soir. Merci à tous. W9 VIP Live, c'est terminé. C'est un show absolument magnifique. D'ailleurs, la salle derrière moi se vide petit à petit. Les gens un peu traînent des pieds, ils ont encore envie de rester. Mais nous, on va y aller. Alors, en tout cas, merci à la ville de Strasbourg, merci au Zénith de Strasbourg. Et je vous retrouve très très vite sur W9.